la mort de Marcel, on va attendre 2 semaines. Elle va rester ici pendant 2 semaines. Oui, non. Vous pouvez peut-être rentrer, mais elle va rester. Le temps qu'on gère le sujet, c'est un sujet qui est très important chez nous, c'est revenu. Or, ça doit se régler. Voilà, donc, on va mettre ça en prière. On va prier pour ça, pour qu'on arrive au village. Parce que c'est des forces mystiques qu'on va rencontrer là-bas. Il faut qu'à part cette action-là, que tout se règle. Que lui soit tranquille là-bas et que tout se normalise. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire passer, bref, au village, comme la vie est venue, bon, comme on a envie qu'elle soit délivrée, et puis on va aller vite ça. Non. Voilà, on va prendre du temps, et c'est 2 semaines. Voilà, ils vont rester, et puis on va régler le problème. Vous dites ça, la vieille? Comment? En fait, Nana, moi, j'ai assez de peu. Moi, on dit, bah, c'est vrai. C'est même un son. Pas qui dit dans ce nom. Là, on voit, on dit, pas qui dit dans ce nom. Ça, ma mère, il est bien. Oh, il y a une mère qui est bien. Elle dit, c'est à cause d'elle est venue. Ce que tu dis, elle est d'accord. Si, si, si. Il a fait ça 2 semaines. On va aller déterrer le truc. Elle est d'accord que ça se règle. Nous sommes d'accord. Voilà, nous sommes d'accord que les choses se règlent parce que on envoie d'abord le dossier, mais comme on n'est pas allé très loin, le fait que on n'est pas, n'est-ce pas, allé en profondeur jusqu'au village, bon, c'est ce qui fait que le dossier demeure. Or maintenant on va gêner. Pendant 2 semaines, on va essayer de prier sérieusement pour ça. Arriver pour que désormais qu'il y ait une véritable délivrance. Parce que ici, c'est la délivrance approfondie. T'as compris? Ça va? Et le monsieur qui t'accompagne là? Il est parti en Guinée, il va revenir. Ok. On va t'aider, t'as compris? On va commencer à t'aider. Je vais donner les instructions. Puis on va commencer à t'aider. Où est la petite fille qui l'a initiée, non? Hein? Là, regarde, il y a le monde où on peut faire un pas et puis on revient. Si, si, vous pouvez partir pour revenir. Non, on a qui reste on dépose quoi? L'huile. Vous gardez chez vous. On peut garder. Vous confiez ça au secrétariat. D'accord. Vous mettez les noms pour ne pas que vous allez acheter encore. D'accord. Ok, c'est compris. Non, elle ne peut pas. Mais elle reste avec qui? Elle reste avec ma nièce. Ok, ça marche. Rentrez comme ça quand on va vous appeler. On va s'occuper de vous. Est-ce qu'on a prié pour lui? Lui qui est de l'autre côté. Vous restez, je m'occupe du dessus tout à l'heure. Hein? La vieille, on va maintenant s'occuper de votre dossier. Normalement, les lundis, là, je ne travaille pas trop. Hein. Mais comme c'est une urgence, je dois même aller à l'urgence, il y a des rendez-vous. Comme c'est un problème qui est sérieux, maintenant, je m'occupe. Elle t'a donné son céleri. Je te parle, il faut que vous t'appuyez me parler. Hein? La vieille, tu lui as donné la sorcellerie? Comment? Hier. Je lui ai donné la sorcellerie. Comment tu as fait pour donner? J'ai préparé. Hier. Hein? J'ai donné manger, c'est ça qu'elle a mangé. Tu vois comme tu n'es pas sincère? Or, toi, ta sorcellerie, là, quand tu prépares, là, tu mets dans ton sexe. Et puis l'enfant vient manger. Il n'est pas la sorcellerie. Hein? Oui. Donc, tu es venu me fatiguer. Il y a des gens que je dois recevoir. Oui, c'est ça, papa. Non, ce n'est pas question de c'est ça. Je n'aime pas ce que tu fais, là. Je n'aime pas ce que tu fais, là. Vous dites non, c'est ça. Je n'aime pas. Dis-nous exactement ce que tu fais. Oui. Oui, quoi? C'est vrai. Il est même chaud. Il ne faut pas montrer toutes les yeux. On va nous en foutre. Nous, on a déjà trop de problèmes. Ça va venir gravé. Le problème, c'est tout. Et puis, je suis pas. Hein? Il est même dedans. Il est même sorti là. Dedans où? Il est même sorti là. Je fais ça. Et puis, il a mangé. C'est vrai. Oui. C'est comme ça que tu as envoûté. Mais tu es très méchante. C'est comme ça que tu as envoûté. Et puis tu as fait quoi? Hein? Mais pour comme
Ah, si tu as marié après des sociétés, tu as une chose. Cheval. Tu vas aller où? Aller dans le royaume. Et puis? Parce que Philippe t'a causé avec elle? Non, faut parler. Non, laissez, laissez. Je ne veux pas qu'il y ait une influence, laissez-la. Hein? Pas de faux. Elle dit tu es mon papa. Elle dit non. Puis elle dit elle va me tuer moi-même. C'est tout. Hey, allez. Hey, c'est tout. Tu as fait sorcellerie là. Quand on donne sorcellerie à quelqu'un, c'est que la personne l'a tué. Bon, on se l'oublie de te laisser parler à la vieille. Parce que je vois qu'on sent qu'on est en train de te forcer. La vieille, tu as fait quoi à la vie là? C'est manger. Elle est manger, elle te dit manger. Tout le monde mange, tout le monde nous donne manger. Ah ah. Donner sorcier. Voilà, sinon, il ne faut pas dire j'ai donné manger. Tu vas manger ça, non? C'est mauvais manger. Et c'est normal, ça, c'est normal. C'est pas bon. C'est pas bon. C'était pour quoi? C'est pas bon. Non. Quand tu as donné la sorcellerie, c'était pour faire quoi? Attendez. J'ai donné manger la sorcellerie. J'ai dit qu'elle n'a pas tapé son papa. C'est bon. J'ai essayé, elle a dit non. C'est bon. Elle a dit moi, j'ai tout. C'est quoi que tu veux faire? Cheval. Tu connais plus du cricket. Cheval là. Elle monte et son vie. Et puis elle est en promenade. Pour aller où? Où on fait les noms? Où on fait sorcellerie là? C'est là-bas. C'est là-bas, tu manges la petite là. Toi grosse comme ça là. La forme que tu as là, c'est la petite là, tu as mis comme bouche cheval. Oui. Donne-moi deux chaises. Je m'assois. Le lundi, là, c'est sûr beaucoup plus. Je travaille beaucoup en semaine. Et donc, tu fais krigada, krigada, t'as dit. Et tu vas où? C'est elle qui a dit, oui, tu... C'est moi, oh, papa. Quand tu dis, oui, elle a dit. Oui. Où on fait réunion, là? C'est là-bas. Réunion des FPI. Ou même PDCI. Sorcellerie. Ah, mais faut dire ou bien? Réunion des sorcelleries. Mais attends. Tu me prends pour qui ou bien? On dit qu'on fait réunion des sorcelleries. Mais faut dire ce qui est exact. Réunion des sorcelleries. Ah, c'est tout. Quand tu dis réunion, tu me l'as là. Et vous dites quoi là-bas? Réunion, non, pas. Vous parlez de quoi? Je vous demande, hein, vous parlez quoi? Tuer des gens. Quand vous vous asseoir là-bas, vous parlez de tuer des gens. Tuer des gens. Vous dites quoi? Mes enfants là, moi je n'ai pas aujourd'hui. Non, laissons affaire des enfants d'abord. Je vais revenir là-dessus. Quand vous partez, vos réunions là, vous dites quoi? Là-bas, on partit. Ouais, là, non, laisse ça pour dire. Moi. Oh. Je dis moi maintenant. Voilà. Quand tu vas à la réunion, tu dis quoi? On parle à faire des sorcelleries là-bas. Je vais faire ça là-haut. D'autres disent, je vais faire ça là-haut. D'autres disent, je vais faire ça là-haut. Par exemple, donne un exemple. Vous voulez faire quoi? Là, pour tuer des gens. Des gens. Ça veut dire quoi? C'est mes enfants. Là-bas, tu ne peux pas prendre l'enfant des d'autres personnes qui n'ont pas pour toi. Non, tu mens. Vous prenez. On prend. Là, tu ne quittes pas pour aller tuer les gens ailleurs. Tu ne fais pas ça. Le pouvoir, ta maman t'a donné là. Quand tu as pris, tu l'as tué là. Je prends pour pouvoir aller tuer les gens. Toi, tu es sniper, on te loue pour aller tuer les gens. C'est vrai. Alors, mais pourquoi tu joues un mot? Je t'ai bien parlé. Hein. C'est vrai. C'est toi qui as dit que tu as parlé. Sinon, moi, je n'aurais plus parlé avec toi.
Ouais, ce que ta maman t'a donné, ouais. Il a jeté. Quand? Oui, il y a longtemps. Pas jouer, moi. Ça n'est pas dans la maison, papa. Ça n'est pas dans la maison. Quand il est rentré, c'est reste là. Il a jeté en même temps. Tout. Tu n'es pas chrétienne. Hein? Tu n'es pas chrétienne. Tu as ce pouvoir là. Tu as quel pouvoir, quel pouvoir, quel pouvoir? C'est pour prier des gens, changer, faire du mal à quelqu'un. Tu es des gens comment? Dans chose là. Il n'y a pas guéri ici? Non. Ton français n'en comprend. C'est bizarre, mais je comprends. On change de bœuf, on change de cocotte, on change d'autres animaux. Ça veut dire poc. Poc. Pas guéri. Non, j'ai dit cocotte en bêté. Bêté dit cocotte aussi. Donc quand tu vois quelqu'un, tu le regardes, tu le veux, quand tu veux manger bœuf, tu fais bœuf. C'est ça. Quand tu veux cocotti, poc, tu fais poc. Donc bœuf là, c'est pas au marché. Le poids de l'homme, c'est l'homme tu vois pour faire bœuf. C'est sorcier là qui fait ça. C'est où puis ça fait ça? Ça a pas moi. Ça a pas moi. C'est à côté, à pas bruit là-bas. Puis toi tu es à côté. Oui, ça n'est pas dans la main. Ce n'est pas en toi. Ça y est à moi. Quand je veux faire maintenant, je veux sortir. Ah, tu veux sortir? Oui, ton céleri là. Mais explique, comment tu fais ça? Je sens des porcs. Je sens des râles. Non, pas les gens que tu tues, tu changes. Toi-même, tu fais quoi pour partir? Moi-même, je fais ça pour sortir quoi. Je sens des à paix aussi. Non, bœuf. J'ai dit bœuf. Bœuf. Bœuf là. Bœuf là. C'est ça, il change. Tu as des. Comment on appelle? Petit animal là aussi. Pouet. C'est quoi là? Biche blanc. Tu es malade, lui. Ça aussi, c'est transformé en biche. Peut-être que tu transformes ta victime en biche. Et ton physique? C'est ça, il prend pour tuer. C'est où? C'est quand? C'est du jeu. Tu as vu comme tu mens. Le fusil encore là. Hein? Papa, le fusil est là. J'ai menti. Oui, mais le fusil est là. C'est ça, j'ai pris pour essayer ma. La fille là. La fille là, c'est pas. J'ai essayé sous ma fille là. J'ai mis dans une chose d'abord. Comment on appelle ça? Bien. T'as vu quoi? Bien. Tu as long ou t'as fait? Je suis à long. Tu as long. Elle a fait quoi? Il y a sangré d'abord. Il y a accident. Moi-même, j'ai même sorcellerie dessous pour mettre les choses. Tu l'as transformé en quoi? Vas-y, toi, tu l'as mangé. Tu l'as mangé, tu l'as transformé en quoi? Tu l'as transformé en quoi? Quand tu as tué le fusil, là, beau là, tu l'as transformé en quoi pour manger? C'est B. B, voilà. Quand tu dis ça, B. Oh, Boukari au marché, le boucher. Va payer 2000 francs. 2000, c'est combien le 1 kilo? 2000. Ah, déjà 200 francs. On vient. Je suis en train de faire mon travail. Donc, tu l'as mangé? Oui, mais tu as mangé? J'ai mangé. Quelle partie? Tu viens comme ça. Non, on va venir comme ça. Les morceaux sont là, là. C'est pas comme ça. On prend ce qu'on aime pour manger. Mais il n'y a plus sa côte. Hein? Il n'y a plus sa côte. Côte qu'est-ce là? Plus quoi encore? C'est ça. Hein? C'est ça. Tu dis quoi? C'est ça. Non. Et puis il est gâté. Non, je viens. Il y a le cœur, il y a la tête, puis il y a les côtes que tu as mangé. Hein? C'est pas non, j'ai dit.
Parce que quand tu donnes ta propre viande, c'est tu mets le cœur et la tête. Quand c'est pour toi ta viande, là, tu mets forcément la tête et le cœur. C'est comme ça, c'est un principe chez vous. Et puis il y a le corps que tu as mangé, c'est pas ça? Et puis la tête aussi, et puis le cœur. Oui. C'est ta viande. Oui. C'est pour toi. Donc on est, c'est la même chose partout. Hein? Tu as bien mangé? Hein? Quelle sauce? Non, je n'ai pas parlé hier. C'est aujourd'hui, il est en train de poser des questions. Quelle sauce ça fait? Sauce fille. Hein? Sauce fille. Ben oui. Oui. Ah, c'est pas moi, elle est sauce fille. On a pensé à prendre chez toi, c'est elle fait. Ben oui. Elle est feuille de manioc. Vous connaissez ça? Vous jouez nos sauces là. La meilleure sauce quand vous jouez, vous partez moi, elle vient de là-bas. Et tu as bien mangé ça. On va là-bas faire, on va faire là-bas. De manioc. Et donc quand tu l'as tué, elle devait mourir. Par accident. Comment tu allais faire? J'ai fait par accident. Non, moi hier, il y a un moi. Elle va mourir dedans. C'est moi là. C'est ça, elle va mourir. Elle va mourir. Vraiment, je fais ça. Bon, on t'a forcé, mais on t'a déforcé. J'ai fait ça. C'est pas forcé. T'as d'abord gâté quoi avant de la manger? Tu me demandes? Non, pour moi maintenant, j'ai fait ton dragon, gâté, ton dragon là, dragon, là quand voilà. Tu donnais, quand t'as donné ça là, tu as vendu ça, c'est-à-dire t'as donné la chambre de tes enfants, et puis ils ont pris pour toi. Tu as donné la chance, puis tu as donné le dragon. Elle est ton enfant. Qu'est-ce que tu as pris d'abord en elle? Avant de manger, ça c'est tout récemment que tu as mangé. Eh ben moi. C'est maintenant que tu as mangé, eh ben moi. Avant de manger, eh ben moi. Tu as d'abord vendu quoi dans sa vie? J'ai vendu ton bien. C'est quoi? Quand tu dis bien, c'est quoi? C'est ça, connaît quoi? Hein? Sa bonnet. Monnaie. Bonnet. Ah, bonnet. Bonnet, c'est quoi? C'est sa vie. Non, mais c'est quoi que bonnet? Son argent. Ah. C'est ça, j'aime bien les choses avec précision. Son argent. Ça veut dire quoi? Faut pas avoir l'argent. Si elle gagne l'argent. Ah, ok. Oui ou non? Ou elle gagne l'argent? Oui. Ah. Et puis, mariage. J'ai gâté son mariage. Comment tu as fait? Pourquoi papa va se marier? Oui, tout ça n'a qu'à se gâter. Tout est gâté. C'est toi qui as fait? Oui, moi. Elle t'a jamais donné l'argent? Et pourquoi tu gâtes son argent? C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Non, sorcellerie, c'est bête. C'est bête. C'est bête, même ça, c'est bête. Comment c'est bête? C'est bête, papa. Quand tu fais là, tu fais où? Tu vois pas clair? Tu fais hier là, tu es passé hier, il n'a pas dit pardon, et puis je pleure. Pourquoi? C'est maintenant que tu regrettes. Je regrette. Mais quand tu mangeais, bamouin et viande, côte, c'était pas doux. C'est doux, mais c'est pas. Papa, j'ai mangé. C'était doux. Quand tu as mangé côte et bamouin, c'était pas doux. C'est trois choses. Non, je demande. C'était pas doux. C'est doux, j'ai mangé. Ok. J'ai bien mangé. Donc le bonheur, ça veut dire chance, c'est ça? Mariage, l'argent. Oh, l'argent, vous gâtez ça, c'est pas bon. Les gens sont partis derrière l'eau, c'est pour chercher l'argent. De toute façon, ils souffrent. Quand il y a neige là, ça peut annuler ton oreille, tu peux pas savoir. Ça rend, c'est comme congélateur. Ça te rend du. Oh, dans ça, on souffre pour avoir l'argent. Vous voyez les gens qui sont derrière l'eau là, ils ont bon travail.
On avait la Josie. Tu dis, hein? Tu dis, hein? Il n'y a pas dit, hein? Je dis, c'est vrai. Quand on met un enfant au monde, je veux que l'enfant se coupe. Hein? Oui. C'est pour que l'enfant devienne quelqu'un. Hmm? Oui. Donc, toi qui es maman, là, tu es censé veiller sur la personne. Tu dois dire, il faut que je protège ma fille. C'est mauvais, oui. Sorcellerie, là. C'est pas bon, quelque chose. Quand tu fais, là, tu vois pas. Mais c'est maintenant. Si on t'a attrapé, là, et puis tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Ce que tu as fait, là. Tu connais pas. Maintenant, tu regrettes. Mmh. Oh, tu as mangé, banoué, et corde, cœur, et la tête. Tu étais doux, quand même. Tu étais doux. Hein? Hein, comment? Oui. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Et tu as gâté son argent. Parce que tu voulais avoir un pouvoir de dragon, il fallait gâter la chance de tes enfants. Heureusement pour elle qu'elle a été sauvée. Sinon, elle allait mourir grave. Et tu allais pleurer, jouer ta comédie. Comment on pleure en guérir quand quelqu'un meurt encore? Mon enfant. Ok, dans ton cœur, tu connais. Tu connais, tu souris. J'ai mangé ton cœur, tes côtes. Après, maintenant, de toute façon qu'on m'a attrapé là. Si c'est dérivé maintenant, et puis, ce que tu as parlé là, tu connais. C'est une mauvaise chose. Moi, je sais ce que je veux qu'on a fait enlever tout moi. On a quand même petit ou tout. Tout. Okay. Tout. Je fais. Tous les sorcelleries là. Toutes les sorcelleries là. Mamie, je veux dire. Ok. Tu veux dire maintenant? Tout enlever. Tu vois qu'aujourd'hui là, tu es prête à bien parler. C'est ça, non? Non, on est prêt à t'aider. Comme tu dis, tu as tout dit. Tu es prêt à m'aider. Moi, je vais tout dire. Moi, je vais quitter. Premier jour, j'étais déjà prêt. Premier jour. C'est toi qui n'étais pas prête. Premier jour, j'étais prêt. Maintenant, tu es prête. Tu es sûr qu'on peut t'aider. Ah, il s'appelle Deju ta pensée. Deju ta pensée. C'est pas bien. C'est sorcellerie là. C'est une mauvaise maladie dans la tête de l'homme. C'est pas bon. Si c'est gâté, tu vas faire comment? Tu n'as pas Dieu. Dieu, c'est Dieu qui connaît faire. Tu n'as pas Dieu, tu as gâté là. Tu vas faire comment? Ta fille comme ça là. Tu veux dire qu'il a mangé son corps. Qui a mangé sa tête. Et puis demain, ça va là. Et puis elle va me donner quelque chose. Il a mangé. Est-ce que c'est normal? Non. Devant Dieu là, est-ce que c'est normal? Je vais tout dire. Okay. Voilà pour elle. Ça, c'est pour elle, ça. C'est trois choses. Mais il y a des gens qui disent que sorcellerie n'existe pas. Ce qu'il dit là. Hein? Et il ment. Pourquoi ça n'existe pas? Toi, tu peux leur dire quoi? Regardez-moi. Tu peux dire quoi à quelqu'un qui dit sorcellerie n'existe pas? Il y a quelqu'un qui dit, c'est faux ce qu'elle dit là, c'est pas vrai, sorcellerie n'existe pas. Si tu as dit ça là, c'est pour faire effrayer des gens. Il faut dire la vérité. Tu as fait ça. Sinon, ça existe. Ça existe. Quelqu'un dit que ça n'existe pas. On l'a envoyé, il a fait 2 minutes avec toi dans la chambre. Tu as le moyen qui est. Pardon, papa. Pardon, je l'ai dit clair, c'est que j'ai fait sous mes enfants. Non, il dit quelqu'un qui dit que ce sorcellerie n'existe pas là. On va l'envoyer, tu as fait 2 minutes. 2 minutes, il hein? Ah, comme il dit n'existe pas, tu vas le montrer. Va moi là, tu vas le mettre dedans. J'ai préparé ça. Pour manger. Comme ça, il va pardon, croire que ça existe. Pardon, papa. Pardon. Pardon. Sinon, papa. Ça jamais délibéré. Okay. Pardon, papa. La sorcellerie. J'ai tout dit. Ok. Non, la sorcellerie, ça existe. Ça existe. On t'a pas frappé quand tu es venu ici, hein? C'est notre feu là qui t'a brûlé un peu. C'est feu là même. Tu as eu peur de feu là. J'ai peur de feu là. Aïe, pour nous là, c'est pas même. C'est pas pour vous. Vous là, vous faites sauce avec ça. Là, pour nous là, si on quitte là-bas, qui voit ça encore? C'est toi qui connais, quelque chose là qui connaît. Mais maintenant là, le feu d'ici là, ça t'a brûlé. Ça m'a pas brûlé, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Ça fait comment?
chaleur là, c'est trop. C'est trop fort. Maintenant, quand tu as commencé à parler, le feu a diminué. Depuis là, tu as parlé là. Ça a diminué. Premier là, ça a diminué. C'est fini maintenant. C'est fini. Il ne voit pas maintenant, il dort bien. Il dort bien. Tu ne voyages pas la nuit. Tu ne prends, prends pas cheval. Non. Elle a dit à cette tante-là, de faire voir ça. Non, c'est avec toi, il parle maintenant. Oui. Et ça fait des tentes. Tu voyages bien avec ton cheval. Jamais. Tu as tes chevals. Ça, c'est pour elle. Mm-hmm. Ouais, là, c'est trois. Mm, c'est trois. C'est, ouais, c'est... trois, c'est quoi? Accident. Accident. Ça, c'est l'affaire, l'accident. Mm. Mariage. Tu as gâté mariage. Mm. Troisième, là. Non, deuxième. Deuxième. Premier, c'est mariage. Mm. Deuxième. C'est troisième maintenant. Non, laissons pour l'accident, là, deux, à la fin. Bah, l'accident, c'est à la fin, là. Mm-hmm. C'est qui t'a gâté premier, premier, c'était quoi? Ce qui t'a gâté en devant en elle, premier, premier, c'est quoi? C'est mariage. Mariage. Deuxième? L'argent. L'argent. Maintenant, puis, troisième, c'est... maintenant, ça c'est. Ah, si. Où est là? C'est ça. Ok, on progresse. Son grand frère. Mmh, c'est Léa qui est bon. Façon que vous avez né là. C'est comme ça. Voilà, elle est le plus grand, le plus petit, c'est vrai. Oui. C'est lui qui est sous là. C'est garçon. Oui. Comment et puis là, il s'appelle Vincent. Oui. Il n'a pas travaillé encore. Il est là. Mais il fait ça fou pour moi. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce que tu as gâté chez lui? Non, il ne travaille pas. Il ne travaille non, pas. Non, pas, il ne travaille pas. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? C'est son travail. Ah, c'est tellement sympa, les gens. Dans sa vie, dans son travail, j'ai gâté. Comment tu as fait? Tu as vendu son dragon là, pour qu'on le dragon. Non, tu as vendu le travail. Il ne travaille pas. Il travaille, mais c'est défié, il fait maintenant. Sinon, mon vrai, vrai travail là, c'est parce qu'il en fait. C'est pas ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui devait avoir l'argent. C'est pas. Non, lui-même devait avoir l'argent, c'est ça? Mm-hmm. Et tu as gâté ça? Il a gâté. Tu as fait quoi encore? Il a gâté son mariage là. Il a gâté. Le monsieur l'a encore tombé. Même monsieur là. Comment il s'appelle? Vincent, c'est Vincent, mon père. Ton fils, ouais. Après, lui, Élise. Mm-hmm. Séraphin. Mm-hmm. Ok. Séraphin aussi, les trois là. Mais pour Vincent là, c'est deux. Les deux. Son argent, son mariage, et puis son travail. Mm-hmm. C'est pour Vincent. Mm-hmm. Du décès, allons-y. Séraphin, c'est mon fils aussi. Mm-hmm. Il est là. Donc il a gâté son travail. Il a gâté son travail. Voilà, c'est vrai. Mm-hmm. Il a mm-hmm. Parce qu'il me prend comme. C'est moi non, qui. Non, laisse affaire, il te prend comme. Mm-hmm. C'est gâté son travail. Okay. Papa. Ça fait quoi encore? Tu as gâté quoi encore? Aujourd'hui, n'a pas de parler. Je te laisse parler. Mmh. Si, mais toi aussi. Si tu vois. Non, pourquoi? Il a gâté son travail. Mmh. Mariage là. Son mariage là. Il va marier là. Les filles même. Mmh. Pardon. Il a gâté son travail. Mmh. Mmh. On avance, hein? C'est bien. Trois dents, trois, tu as dit. C'est trois. Oh, ton enfant, trois enfants. Léa, maintenant, mm-hmm. c'est ma fille. Mm-hmm. Elle apprend, c'est ma mère. Mm-hmm. Son mariage, là, il est gâté. Mm-hmm. L'argent. L'argent. Tu as gâté quoi? J'ai dit c'est moi qui a bloqué son argent. Tu as bloqué? J'ai gâté. Comment? Mais elle gagne pas beaucoup. Ou elle souffre un peu. Elle souffre, elle tourne en France là-bas. Là. Tu as bloqué ça comment? Elle est bloquée là. Elle ne gagne pas d'argent. Elle travaille, mais l'argent là, ça ne fait pas. Ça rentre chez toi là-bas? Ça, elle m'a pointé. Non, comme tu as bloqué, ça rentre chez toi. Ça rentre, elle me donne.
faut pas finir. Ça arrache toi. Mm-hmm. Elle me donne l'argent là. Non, tu réponds pas à ma question. Mm-hmm. J'ai dit, tu as bloqué pour ne pas qu'elle ait l'argent. Donc en réalité, c'est parce qu'elle doit avoir le vrai argent là. Tu as bloqué ça. Tu as gâté ça. Allons-y. Elle est venue. C'est Léa. Ouais. C'est folie maintenant. Tu as mis la folie. J'ai mis la folie. On a qu'à devenir folle. Mm-hmm. Donc, sorcellerie là. Léa. Léa. Mm. Folie là. Mm. Moi, je fais les trucs. Ça y est, ce n'est pas trop, trop. Les folies, c'est folie, il n'y a pas fait des trucs. C'est folie, papa. Comment tu as mis folie? Elle est venue. Si tu prépares, elle prépare. Elle a mangé. C'est ça. Non, 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 non. Elle a préparé, c'est ça. Non, non. Comment tu as mis la folie? Tout le monde prépare normal, on n'est pas fou. Pourquoi pour toi ton repas t'as donné folie à quelqu'un? Pour expliquer. Tu as dit tu as parlé. Je t'ai dit pour papa. Délivrer cette parole. J'ai parlé, papa. Quand tu as parlé, tu seras délivré, je t'ai dit. Son argent, mariage, et puis, les folies. Folie là, elle est venue. Il a salué, on pose. Voilà, c'était... Pas le faux. Elle est venue, je l'ai salué. Léa, non Léa, oui. Tu es en France là, oui. Oui, il était en France. Mm-hmm. Elle est là-bas. Elle est quittée en France, elle est venue te saluer. Mm-hmm. Vous dites, ah, maman, je suis quittée à Paris. Bon, maman, c'est bien, hein, je suis venue te voir. Mm-hmm. Maintenant, toi, tu vas... Il a montré qu'il a mis avocat dans beurre. Ok, tu as fait quoi? Je sais pas. Oh! Elle a gardé manger. Oui. C'est ça qui a aidé à manger. Puis elle est devenue façon d'un. Oui, non, il faut que tu m'expliques. La manière, ce que tu as mis dedans pour la rendre qu'elle soit ding-ding. Explique. Elle t'a salué, non, tu m'as. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça folie, il y en a. Tu m'as dit que tu allais parler. Hein? J'aime les détails. Quand on prépare, on met des choses. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai pris un peu de mon pipi pour mettre. Tu as mis ton pipi dedans? Elle a mangé, ça a renversé toute sa tête. Pourtant, c'est ta fille. C'est ma fille. Elle te donne l'argent. Je lui dis, c'est que papa. Je te papa. Demande, réponds oui, ma papa, question. Papa, oui. Elle te donne l'argent. Oui. Pourquoi ma maman va mourir de faim? Oh, oh. Je travaille dans le froid ici. Mm. Elle vient te donner et tu la gâtes. Mm. Elle vient parce qu'elle est protégée par maman. Maman prépare. On croit, on pense que maman a préparé bonne nourriture, on est content pour manger. Oh, maman a pissé dedans. Tu as pissé dedans. Hein? Je vous demande. Tu as mis dans le pipi là. Tu as mis dans quelque chose. Tu as parlé, tu as mis dans sauce. Elle n'a qu'à devenir folle. Comme si elle t'avait fait quelque chose. Elle t'avait quelque chose. J'ai dit sorcellerie, on dit sorcellerie. Non, réponds ma question d'abord. Réponds-moi mes questions. Elle n'a pas perdu quelque chose. C'est moi-même. Oui. C'est qui pense à toi. Elle se dit non, c'est sa maman. Elle ne veut pas te laisser mourir. Tu vois, il y a des gens qui sont en Europe, ils s'en foutent de leur maman. Ils s'en foutent de leur maman. Elle se dit non, ma maman, là, je dois venir la voir. Maman, je suis venu te voir. Elle est contente. Or, toi, tu as un autre plan dans la tête. Tu vois ta fille comme cabrée. C'est ça? Et puis tu mets. Elle t'a jamais donné l'argent. Hein? Une personne qu'on sache qu'on peut la gâter. C'est sorcellerie. Hmm? C'est sorcellerie, papa. Hmm? J'ai fait. Donc, vraiment, j'ai fait cette sorcellerie là. Quand tu fais là, papa, c'est pas que je peux parler pour vous. Je dis, c'est bien détaillé tout aujourd'hui. C'est pas sorcellerie. Quand tu fais là, après maintenant, puis tu regrettes, tu penses à tes enfants. Si vous êtes là-bas, tu fais, c'est ma fou que n'importe. C'est ça. Donc, vraiment que j'ai fait. Quand vous êtes là-bas, là, vous vous en foutez des gens. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça? Oui. C'est dangereux. Non, n'ayez-vous, mais vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite là-bas.
Vous ne pensez pas bonne chose. Si on fait bonne chose, c'est quelqu'un qui est bon. Si on fait bonne chose, là, papa, on ne peut pas sortir de la nuit pour faire des choses comme ça. C'est tout ce qu'on fait. C'est pas bon. Oui. Mais tu vas toujours qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Oui. Donc vous avez vos villages là-bas. Tout le monde est bête là-bas. C'est ça? Tout le monde est bête. Tout le monde pense à manger l'homme. C'est comme ça? Et toi, tu viens, tu dis à personne. Oh, Léa, elle te donne l'argent, non? Elle te regarde. J'aime bien cette expression. Elle dit, mais regarde, elle dit que... Elle te donne tout ce que tu crois? Elle me donne l'argent. Tout ce que tu veux? Elle paye pas. Avant de venir. Tout ce que tu veux? C'est là. Elle te donne le paille. Elle te donne l'argent. Et tu manges bien. Tu n'as plus ton patron. Tu n'es pas d'enfer. Tu ne te laisses pas d'enfer. Tu manges toujours. Malgré ça, tu vas manger en haut là-bas. Oui. C'est bête hein, votre truc. Vous savez que tu as fait ça. Arrête ta connerie, arrête. Connerie. Quelqu'un n'a qu'à citer pour vous. On peut te demander. Sérieux, tu fais ça, c'est vrai. Hein? Pourquoi tu fais passer pour une victime? Tu n'es pas la victime. Toi, c'est toi qui es leur bourreau, c'est toi qui les détruis. Donc, il faut parler. Elle détruit mes enfants. Okay. Dragon, il ne savait pas que tu as tué mes enfants. Et quelque chose, il mange quoi? Dragon, il mange quoi? Dragon. Dragon mange, non? Hein? Imagine, non. Tu vas élever ça. Quand tu vas acheter un chien pour élever, tu sais ce que tu dois lui donner? La personne qui m'a donné, la même elle est morte. Bon, ça, je sais. C'est moi-même qui ai dit ça, j'ai su ça. Ça, je sais. Maintenant, tu prends quelque chose. Toi-même, tu sais que tu as donné bien de l'homme. Il faut toujours trouver. Ou bien? Hein? Donc, tu as eu le courage. Et ta bête mange viande de l'homme. Chez les Chinois, là, ça mange les fruits. Nous, chez nous, ça mange l'homme. Les Chinois, ils ont journée internationale des dragons. Vous savez ça? Ah, vous savez pas ça? Les Chinois ont journée, une journée, qu'on appelle journée internationale des dragons, les Chinois. Or, eux, ils mangent fruits. Vous voyez pas les bouddhas, c'est les poyos, les pommes. En bonou, là. C'est la chair de l'homme, sa chair. Ils ont dit que pour eux, ça mange fruit. Quand ça fait coin, c'est fruit, on jette. Or, pour nous, quand il fait coin, on va chercher l'homme à Londres. Ça vient de Londres. Tiens, il faut manger les côtes. Il faut boire son sang. Comme Bissap. Tu as cité 4 personnes. 1, 2, 3. Non, Léa, ça faisait 4. C'est ça. Et les autres sont morts. Tu as mangé, Moquet, tu as mangé. Tu as bien mangé. La sauce graine, maman, tu as dit. Moquet, c'est la sauce graine. Tu as fusillé, oui, tu l'as mangé, la sauce graine. Tu l'as bien mangé. Maintenant, quand il est mort, oui. Tu as pleuré, Nadio. Oui. Tu as fait ça? Pourquoi? C'est sorcellerie. Quand il dit là-bas, et puis tu le dis maintenant, tu ne sais pas comment tu vas faire, c'est gâté. Mais il ne faut pas pleurer. Mais tu vas pleurer quand? Pourquoi? Mais tu as mangé ta viande. Pourquoi tu pleures? C'est sorcellerie. Il dit c'est moi qui ai fait. Et puis tu ne veux pas que les enfants aient peur de toi. Tu dis les enfants ont peur de toi. Mais pourquoi ils n'ont pas peur de toi? Maman qui mange vient de l'homme, les côtes. Michelin. Michelin, c'est qui? C'est là où? Qui vient après. Ça fait quoi? Son mariage. Son mariage. Son bien là. Son argent là. Il me donne pas comme ça.
Et toi, laissez, il ne me donne pas. C'est moi qui ai gâté son argent. Il gagne quoi pour te donner? Il a gâté son argent. Et puis... Et les gens ne veulent pas qu'on on attrape les sorciers. Les gens ne veulent pas. Hein? Hein? Je vois les commentaires. Il hein? Faut laisser. La personne te dit tu. Et vous n'avez qu'à laisser. Vous n'avez qu'à les laisser tuer. Vous qui commentez les choses bizarres, là, vous êtes des avocats du diable. Je ne suis pas étonné. Mais moi, tant que je serai encore en vie, j'ai attaqué la sorcellerie. Continuez. Chacun va rendre compte d'un jour à Dieu. Nous, on ne permettra pas que, justement, que les gens soient maltraités. On les tue. Ce ne sont pas des poulets. C'est pour ça que Dieu a créé poulet. Continuez. Moi qui ai le sceau de vie, j'ai attaqué les sorciers. Elles sont très dangereuses. Elles sont très dangereuses. Une mère qui a la sorcellerie, il y a les dégâts qu'elle fait. Elle ne la force pas, elle dit ce qu'elle a fait. C'est pas ça? Elles ont forcé. Hein? Allons-y. Ah, je... Non, laisse-la parler. Les jours, je suis pressé, hein. Il y a les gens. J'ai dit tout ça. Vous dis aussi. Vous dis aussi. À manger. T'as payé crédit. C'est Copec. T'as fait quoi? Je te demande. C'est moi qui l'ai. Mes fils sont vus. Ils dorment et puis ils font. Mm-hmm. Tu dis rien, tu dis c'est ça. C'est ça, il est fait. Quoi? Et puis qu'est-ce qui l'est arrivé? Il est là-bas. Où? Il est derrière l'eau là-bas. Et tu as fait quoi? Non, tu l'as tué et tu l'as vendu. Je l'ai tué, je l'ai mangé. Hein? Il est tué, c'est moi qui a tué. Il est tué aujourd'hui. Il va à l'école. Pourquoi tu veux qu'on te parle bien? Hein? Tu dis t'as payé crédit. De qui? Ah, des autres. Ils sont où? Ils sont là-bas. Tu peux connaître leur nom? Ah, ils savaient que tu ne l'avais pas dit. Non, papa. Non, je vous connais. Ah. Tu ne connais pas le nom de quelqu'un, tu vas lui payer le crédit. Quand tu dis, il est préparé. Hein? Tu vas préparer, non? Puis tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, puis tu perds son crédit. Quand tu dis crédit, c'est que tu as pris quelque chose, quelqu'un, tu rembourses. Tu prends à la banque. Là, si la banque ne te connaît pas, elle ne te donne pas l'argent. Il ne faut pas me distraire. Diadène me distrait. J'ai payé crédit de quelqu'un. J'ai payé crédit. C'est que tu as pris. Tu rembourses. C'est ce que ça veut dire. La banque, si la banque ne te connaît pas, il faut aller pleurer. Mon papa est mort. Il n'a plus l'argent. Dégage, allez. Tu as l'argent à te donner. C'est quand tu as l'argent qu'on te donne. Quand tu demandes de rembourser. Voilà. Donc, tu as pris le crédit de qui? Ah, ta voix ne sort plus, hein? Je dis, j'ai donné. Non, c'est pas donné, c'est fini. T'as donné à qui? J'ai mangé à mes camarades. Voilà, tes camarades là, c'est qui? Je ne connais pas. Toi, tu ne connais pas les gens, ils veulent manger ton repas. Tu ne les chasses pas. Tu es préparé. Aujourd'hui, il va venir les trouver, non? Préparé. Mais c'est qu'il te connaît pour venir manger. Non. Là, il ne te connaît pas, et puis il met ta main dedans, tu ne le chasses pas. Je vous connais, vous ne dites jamais le nom des gens. Ça, je vous connais ça. Moi, je connais ça. Là-bas, là, on t'a attrapé, débat-toi pour dire c'est toi seul. C'est comme ça que je suis seul. Est-ce que c'est ça? On ne doit pas violer cette loi-là. Eux, c'est pour ça que eux, là, quand le sorcier commence à dire. Le nom des membres de sa confrérie, c'est qu'il est délivré. Si elle te dit le nom des gens qu'elle a tués, et puis les membres de sa confrérie, c'est que le sorcier est délivré. Oh, ça là, vous allez lutter. 1000 ans, elle ne va jamais dire ça. Si elle veut être délivrée, elle va dire. Là, tu prépares, et puis quelqu'un vient pour mettre sa main dedans, et puis tu le regardes, vous mangez, tu manges, il mange, il mange, il mange. Tu ne le connais pas. Ah, toi aussi.
Ah, tu vois, non, est-ce que ce qu'il dit là est trop vrai? Bon, tu ne peux pas ta nourriture, tu as faim, tu manges. Quelqu'un vient, tu ne le connais pas. Il n'a qu'à s'asseoir pour manger. Tu es gentil comme ça. Hmm? Ah, c'est qui? La femme hmm? Elle est morte. Ils sont combien? Ils sont pas morts. Toi, tu es une reine? Oui, moi. Tu es reine? Oui, papa. Tu es reine? On te loupe aller tuer les gens, sorcellerie? Oui, papa. Tu es reine? Tu vois que c'est dangereux ce que tu as fait? Je n'ai pas envie d'arriver. Il y a des gens qui sont vivants. Il y a au moins 8 personnes qui sont là. Je n'ai pas envie de toucher ce nom-là. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Sinon, les noms des gens qui sont vivants, ça ne m'intéresse pas. Ce à qui tu fais, ce délire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la vie des gens que tu as raté, ça m'intéresse. Comment les délivrer, ça m'intéresse. Tu as fait quoi encore? Ton mari, non? Comment tu l'as tué? J'ai chanté. Tu as changé encore? J'ai chanté. Je n'ai pas compris. J'ai dit j'ai changé. Vous avez compris, non? Je vous ai bien dit, si vous voulez marier, marier une bonne femme. Sinon, pendant que tu dis chérie, elle te voit en pain, en poulet. Qu'elle doit braiser pour manger. Elle a marié son chéri. Au moins, le monsieur pense que ah, c'est la maman de mes enfants. Elle, elle pense comment on fait ça. Tu as marié dans quelle sauce? Je vais m'en délivrer, j'ai tout dit. Je sais, aïe. Mais tu as marié dans quelle sauce? Monsieur, là. Ça, c'est vrai. Tu as une sauce graine, tu grossis, là. C'est tout ça, là, tu fais. Le papa de tes enfants, c'est ça? Tu l'as mangé? Tu n'avais pas eu pitié? Hein? J'ai pitié, j'ai mangé maintenant. Et puis, il fait un jour là, j'ai regretté. Et puis, il regarde. Tu as déjà mangé son grain, après ça, tu regrettes. Il regarde. C'était pas doux. C'était pas doux. Tu peux payer où manger. Tu as tué qui encore? Je t'écoute. C'est pour bien vous. Hier, là, j'ai parlé tout avec mon petit garçon. Attends. Tu joues avec moi ou bien? Non, pourquoi j'ai joué? J'ai dit, j'ai parlé. C'est qui t'a dit au petit là? On dit de mérer, dis ça. C'est ça, j'ai dit là, parlé. Pourquoi on met des choses dans la tête? On te dit de dire des choses que tu dis. Non, oui, bah, c'est que j'ai fait, c'est ça, j'ai fait. Ah, mais c'est moi, tu as fait, c'est toi qui as fait, donc dis-moi ça. C'est ça, j'ai dit oui. Ta maman t'a tué là, t'as pas dit? Elle m'a donné là. Il ne va pas te bracelet. Ta maman, tu as tué là, tu n'as pas dit. Tu m'as dit que tu allais parler, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a problème. Si. Moi, je me dis aller recevoir les gens pour partir. Biche. T'as mangé? Il n'a pas mangé. T'es malade. T'as une fois vu quelqu'un qui tue viande mais il ne mange pas? Le jour où vous voyez un chien, vous faites Chougouya. Vous connaissez Chougouya? Et puis vous mettez près de chien. Il dit, mais il faut garder. S'il n'a pas mangé, c'est qu'il est malade. Il n'a qu'à très bien éduqué. Mais chien et viande ne sont pas camarades. Vous êtes dans quel monde? Elle me dit, non, elle a tué, viens, elle l'a agité. Pourquoi t'as tué alors? Pourtant, tu aimes, Tom, tu aimes bien la chair, bonne chair, là. Biche. Il y a une sauce graine qui est douce. Tu as laissé viande, biche. Ça a pourri. T'as mangé quelle partie, ta maman? C'est quoi ça? Son pied? Seulement. Tu veux jouer à moi ou bien? Tu as
elle est vieille comme ça, là. Elle est des mamans. J'ai préparé un jour. J'ai mangé. Hein? J'ai mangé. Tu dis quoi? Je l'ai dit, j'ai mangé viande. Comment? Ton mari est parti? Ça, là. Seulement. Mmh. Et lequel a mangé le reste? J'ai mangé. Tout? J'ai mangé, oui. Non, tu dis seulement ça, là. Oui, j'ai dit seulement ça, là. Mais le reste, là, j'ai préparé, j'ai mangé. Et ton groupe, tu ne devais pas donner aujourd'hui? Mmh. Pourquoi? C'est ma mère. Hein? C'est moi. C'est moi qui ai mangé ça, bien. Pourquoi c'est toi qui mange ça? Pourquoi? Hmm? Pourquoi c'est toi celui qui mange viande de ta maman? Non, nous, quand tu dis que tu as mangé là, il y a question à poser. Hein? Nous, c'est pas vrai que tu dis qu'il y a une sorcière. Non, ça nous, ça suffit pas. Il faut rentrer dans les détails. Parce que la sorcellerie, on ne voit pas. C'est spirituel. Qu'est-ce qui va nous motiver à te délivrer? C'est ce que tu dis là. Si tu es sincère, on te délivre. Il faut rentrer dans les détails. Qui te voit là-bas? Qui a vu? Tu vas là-bas seul, non? À part ton cheval qui est ici là. Non. Oui, mais c'est hier, mais c'est ton cheval. Vous partez ensemble là-bas. À part le cheval, c'est vous deux là qui vous voyez là-bas. Et toi, ce que tu as mangé, ta maman? Ça y est, tu aimes la viande, hein? Combien de jours? Trois jours. Trois jours. C'est quelle sauce ta viande? Graine. Tu aimes graine? C'est accompagné de quoi? Il n'y a pas photo dedans. C'est fatigant pour piler. Duri. Guéri, là, on mange du riz, on fout tout là. Il y a les grecs qui m'ont foutu. C'est ça, on mange. Fout tout là. On est arrivé ici et puis on mange ça. Tu n'as pas mangé riz. Là-bas, là, c'est riz. Riz. Sans grec. Sans grec. Tu as gâté quoi encore? Hein? Je te regarde, je t'écoute. Ah, c'est que tu n'es pas sincère. Tu sais que tu n'es pas sincère. Si tu as oublié, tu n'es pas sincère. Il a dit. Il n'a pas dit pour se la faire. Il a dit. Non. Il a dit, c'est moi qui ai gâté son travail. Il a dit, Vincent. Non, à part les enfants, je suis en train de rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant dans la vie et tout ça? Des autres gens. Des gens, et qu'est-ce que tu appelles ta sorcellerie? Tu nous perds le temps, hein? C'est ça qu'on appelle perdre le temps. Oh non. C'est pas comme ça mon travail. Ne la mettez pas sur une pression. Ne la mettez pas sur une pression. Elle est libre de parler. Et puis c'est nous, sans toute la nécessité de nous dire, si on n'a pas parlé, c'est qu'on ne peut pas sans nécessaire, on peut vous délivrer. Mais ce n'est pas parce que les sorcières que c'est elle qui va gâter tous les vents des gens. Que ce qui vous arrive dans la famille, c'est elle. Non, ne prenez pas ça comme ça. Nous ne réglons pas les choses comme ça. Nous réglons les choses spirituellement. C'est pour ça que quand vous ne voulez pas être comme vous êtes, ne mettez pas vos pieds ici. Parce qu'on ne fera pas comme vous voulez, on fera comme le Saint-Esprit nous dirige. Voilà. C'est une mère. Pas parce qu'on la voit là, qu'on a envie de la voir là, non. Mais parce qu'il faut forcément qu'elle passe par là pour être délivrée. Sinon, c'est la maman de quelqu'un. Elle peut être notre maman. Pas parce qu'elle assise là que ça nous plaît. Mais on attend de la délivrer. Parce qu'elle est devenue comme un monstre. Voilà, sinon c'est pas parce que c'est un plaisir pour nous de la voir là. Non. C'est pas un plaisir. C'est une mère. Comme notre mère, elle peut me mettre au monde. Mais c'est ce qui en elle là qui est mauvais. S'il te plaît. Et ce qui en elle là qui est mauvais, quand on entend de annuler. Mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour parce qu'on entend de l'aider. Pas de la séquestrer. Franchement, je suis désolé. Aidez-nous à aider le monde. Et allons-y. Ma fille là. Petit, il est né. Hein? Tu m'as attendu. C'est moi qui l'a. Ma fille là. Ah, garçon. Elle a son garçon. Qui est mort. Que tu as tué là. Il est tué. Ah, faut dire, il est mort. Oui, il est mort.
Non, tu as tué. J'ai tué. Tué, ça veut dire il est mort. Il faut pas aller dans deux. Aller tuer lui. J'ai tué. Il est mort. Non. J'ai tué, là, c'est bon. Ça veut dire qu'il est mort. Quand tu as tué, on a compris qu'il est mort. Quelqu'un, on tue là, il est mort. C'est mort. Tu n'as qu'à faire son fils. Comment il s'appelle? Guichard. Guichard. Comment tu l'as tué? Dans le fusil. Le fusil, il est grand, hein? Il est grave. Non, toi, on doit t'amener au front. On va t'amener en Syrie. Il y a la guerre là-bas. Tu ne connais pas papier. Non, pas papier. Là, tu ne connais pas papier, mais tu connais fusil. C'est une question de fusil. Elle avait d'aller à l'école. Ah, fusil, là-bas, là. C'est pour toi même, c'est plus dangereux. C'est pour toi que c'est dangereux, on ne te voit pas. Pas le gars à terre. On a besoin de ça. On va t'amener en Syrie, tu vas mettre la paix là-bas. Faut qu'on appelle on appelle Obama, Poutine. Non. Toi, tu peux aider les gens à voir la paix. Toi, je prends ton nom, inscrit. Et puis on va amener ton nom à l'Amérique. Ils vont te prendre.